Bonsoir. Les autorités maliennes, à travers le ministre des Affaires étrangères, ont réagi aux possibles restrictions de circulation des populations de l'AES dans l'espace CEDEAO, déclaré par le président de la CEDEAO lors du sommet. Vous allez avoir les détails dans ce journal. La coopération entre le Mali et la Turquie est sur de bonnes bases et pour les consolider, l'ambassadeur de la République de la Turquie au Mali et le président du Conseil national de transition ont abordé la question lors d'une audience au Conseil national de transition. La flambée des actes criminels contre les populations civiles est constatée dans le cercle de Bafoulabé ces derniers temps. En quelques jours, plusieurs crimes ont été commis dans cette localité. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver, bienvenue dans cette édition que nous avons dû interrompre due à des soucis techniques. L'ambassadeur de la République de la Turquie au Mali, F. Ceylan, a été reçu en audience ce mardi 9 juillet 2024 par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, au Centre international de conférence de Bamako. Il a été question de coopération bilatérale entre les deux pays dans différents domaines. Et pour avoir plus de précisions, je vous propose ici de suivre le diplomate turc à sa sortie d'audience. Il est au micro, le Zakaria Omar Keït. Je suis très fier d'être reçu par l'honorable président de du Conseil de transition. Nous avons entretenu des relations turco-maliennes dans le secteur, dans différents secteurs. Nous avons aussi parlé sur le renforcement des relations interparlementaires en Turquie. Dans notre Assemblée nationale, nous avons créé le groupe de l'amitié turco-malien. J'espère que dans très peu de temps, le groupe malien sera aussi établi au sein du CNT. Nous avons aussi parlé de l'importance des visites mutuelles à haut niveau pour raffermir les relations. Nous avons parlé du soutien de la Turquie à la lutte contre les terroristes du Mali, la situation sécuritaire et politique au Mali et dans le Sahel, dans la région du Sahel. J'ai parlé un peu l'intérêt de mon pays pour développer relations économiques et commerciales avec votre pays. Nous avons de très bonnes relations avec les pays membres de l'Alliance des États sahéliens. Nous sommes au courant des développements et le raffermissement des relations au sein de cette alliance. Ils ont décidé d'établir une confédération. Nous sommes tous au courant. Nous sommes en train de développer les relations au niveau bilatéral. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Lors de la 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il a été question de possibles conséquences qui peuvent découler du retrait des pays de l'AES de l'organisation régionale. Et parmi elles, des possibles restrictions de circulation des populations de l'AES dans l'espace CEDEAO. Le gouvernement du Mali a réagi à cette éventualité. Le point avec Assiton Diallo. Sur le plateau de la télévision nationale numéro 1, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale laisse entendre que dans le communiqué des États de la CEDEAO, il n'a vu aucune référence à des restrictions qui seraient imposées à la circulation des ressortissants des pays de l'AES dans cet espace. Et d'ajouter que même s'il était avéré, ça leur donne raison en ce sens que, probablement, certains responsables de la CEDEAO ne sont pas sortis des anciennes méthodes, toujours de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, donc d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants.
Pour le chef de la diplomatie malienne, les États de l'AES ne sont plus à ce niveau. Ils sont dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. Dans ce contexte, toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays. Il a aussi rassuré les Maliens que tout est mis en œuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous. Abdoulaye Diop a aussi rappelé que dans tous les cas, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Il rassure aussi que les autorités travaillent à minimiser l'impact pour les populations. Pour des observateurs, cette restriction peut avoir de lourdes conséquences pour les États de l'AES, surtout au plan économique. Main dans la main pour lutter efficacement contre ce phénomène et pour créer un environnement propice à l'intégration de l'information. Au cours de cet atelier, plusieurs thématiques seront abordées, dont la désinformation en période électorale, les mécanismes de lutte contre la désinformation en période électorale et les rôles et responsabilités des OG et les médias dans le processus électoral. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a organisé ce mardi 9 juillet 2024 un point de presse pour faire le bilan à mi-parcours du programme du travail annuel de janvier à juin 2024. L'objectif est d'informer les acteurs du marché du travail et la population du niveau d'exécution du programme de travail annuel 2024 et les différentes réalisations en termes de création et de promotion d'emploi par l'ANPE. Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Omar Keïta, compte rendu.
Ces premiers points de presse semestriels de l'année 2024 de l'ANPI visent à donner plus de visibilité sur l'état d'exécution des activités du programme de travail annuel 2024. Pour ces bilans à mi-parcours, l'ANPI a déjà atteint un taux d'exécution de 59,3%, soit 51 activités réalisées sur 86 et 40,7% des activités non exécutées, soit 35 activités. En termes de comparaison, effectivement, pour le premier semestre 2023, le taux d'exécution était à 62%. Aujourd'hui, nous sommes à 59%. Ça s'explique aussi par la crise, mais aussi par d'autres aléas liés à l'asymétrie entre les ressources et réellement nos ambitions. Donc c'est surtout ça, mais je pense que la différence est quasiment marginale, quoi, entre 59 et 62%. Vraiment, c'est-à-dire que les services techniques ont fait de l'effort pour rester un peu dans les cas. Le représentant du ministre de l'Emploi a salué les efforts de la direction générale de l'ANPI pour les activités réalisées qui, selon lui, contribuent à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi conformément au programme d'action gouvernemental, notamment en matière de promotion de l'emploi. Toutes ces activités réalisées sont inscrites, n'est-ce pas, dans la vision de Madame le ministre, qui est décliné en trois axes, notamment la promotion de la culture d'entreprise et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial, le renforcement des ressources humaines par la valorisation de la formation professionnelle, la création et le renforcement des entreprises. Aujourd'hui, nous avons la politique nationale de l'emploi. Et pour mettre en musique, n'est-ce pas, cette politique nationale en matière d'emploi, il s'agira de poser certaines actions, comme l'un peu vient de le dire, il vient de le faire aussi. Donc c'est fort de cette volonté politique affichée par les autorités et également les structures en charge de cette question que le département aussi a mis en place un dispositif afin de susciter, n'est-ce pas, les opportunités d'emploi, car notre ministre est convaincu que l'emploi est la résultante, n'est-ce pas, de la croissance économique. En ce qui concerne le second semestre, il sera mis à profit pour finaliser les activités en cours et réaliser celles non exécutées à la date du 30 juin 2024. Actualité sur un tout autre plan. Le cercle de Bafoulabé enregistre de jour en jour des attaques contre les populations civiles. En seulement quelques jours, plusieurs crimes ont été commis dans cette localité. Alama Koudjabaté nous en parle. Le corps et la moto d'un jeune griot ont été découverts dans une fosse abandonnée le vendredi 5 juillet 2024 à Kontela Birafara, dans le cercle de Bafoulabé. Originaire de Kontela Sabousiré, il s'était rendu à Birafara pour assister à un mariage selon des sources locales. Disparu dans la nuit de jeudi, il a été retrouvé le lendemain soir, la tête fracassée posée sur le pneu arrière de sa moto. Un suspect a été arrêté le samedi par la gendarmerie. Les enquêtes sont toujours en cours pour élucider cette affaire. Une semaine avant, soit le 27 juin 2024, un jeune homme de Bédougou, commune de Djanko, cercle d'Oussoubidjania, a été braqué aux environs de 18h alors qu'il cherchait ses bœufs égarés. À 1 km de son village, des individus cagoulés à moto l'ont attaqué. Après l'avoir frappé à coups de bâton, ils lui ont volé sa moto et son téléphone. Selon la victime, les assaillants parlaient bambara et n'étaient pas armés. Un incident similaire avait été signalé la veille au même endroit, mais ce dernier a échappé car il a refusé de s'arrêter. Les autorités locales invitent les habitants à la vigilance et à signaler tout comportement suspect. Et dans la région de Koulikoro, un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé dans une fosse septique le samedi dernier au quartier Souban. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. Et selon les informations reçues, c'est une jeune femme saisonnière travaillant dans le secteur de l'exploitation de sable qui serait l'auteur de cet acte. L'enfant a été sauvé par les éléments de la protection civile de Koulikoro. La mère suspectée a été arrêtée et l'enfant a déjà reçu la visite des autorités
régionale. Et selon la cellule de communication de la police nationale, les limiers du commissariat de police de Korofina Nord, sous l'égide du commissaire principal Bakary Koulibaly, ont interpellé le vendredi 5 juillet 2024 deux présumés braqueurs et un complice connus des archives de la police dans leur secteur de compétences respectifs. Les investigations ont permis la saisie de deux motos de provenance douteuse, une machette, une hache en fer, leur servant à commettre leur forfait, un carnet vierge d'achat, un cachet et de divers autres objets ont été également retrouvés, nous précise la même source. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.